Et Tov, b'chem, Hashem n'a, c'est, v'en, shalom, Be'ezrat Hashem, en ce jeudi soir, 19 du mois de mai, et déjà, yud, tête du mois de, yar, le tovim, le shalom, chir sur la parasha de la semaine, paracha de avec un chidouche, et un enseignement de notre maître, ab'ch'aim, ben, ataro, akadosh, ruto, Yagen Alechem al-kolam, Yisrael ou b'ch'lalam, pour celle qui a acheté ce soir, ce shiour, eva, Yekara pour un bon accouchement, un beau bébé en bonne santé et que tout se passe bien. Rabbi ben Atar et bien entendu une grande réfouche les mains pour tous ceux qui sont malades de notre liste. et bien entendu toute notre liste et on commence tout de suite ce chiour, puisque je voudrais faire ce soir peut-être encore un autre chiour derrière Blineder. La paracha de Bechukotai en Eretz Israël, en France ce sera Behar, en Israël c'est Bechukotai pour ce Shabbat, bien, nous parle de conditions, comme on en a souvent parlé, les conditions du contrat que Dieu a prévu pour le peuple sur sa terre. La paracha de Bechukotai nous parle essentiellement des juifs sur leur terre en tant que nation et qu'on n'a pas le droit de nous comporter comme les nations du monde. Bechukotelem lo Le verset commence par une grande question. Im Bechukotai Abir Ben Benattar vient nous apprendre quelque chose d'essentiel. Mais juste avant, j'aimerais faire une parenthèse sur une redondance que l'on dit dans ce verset-là. Im et telechu. Si vous allez selon mes préceptes, v'et tishmeru, et que vous gardez mes mitzvot, alors, bémet, alors je vous donnerai ce que je vous donnerai de positif. Mais si on va selon tes lois, automatiquement on les garde, puisqu'on va selon tes lois. Beaucoup de chidushim de, de, de ont été donnés sur ce double langage. Si tu vas, alors, misvote positive, garde-toi, préserve-toi, veut dire misva négative. Ainsi donc, le créateur du monde nous met en garde sur le fait, pas simplement de faire la Torah et les mitzvot, mais ne va pas, par exemple, le matin, la personne va faire shaharit, midra yarvit l'après-midi jusqu'au soir, mais après, à 11h, il va en boîte de nuit. « Oh, tu vas être misotave, Chamarou, et tu gardes mes mitzvot. hey il y a aussi ce que je t'ai demandé de ne pas faire. Je t'ai demandé de faire 248 mitzvot positives, et je t'ai demandé de faire, attention, de ne pas enfreindre 365. Interdiction de la Torah. Comme un père dirait à son fils, fais attention à toi, ne tombe pas, ne va pas là-bas. Cela est dangereux. Et cette explication-là doit vraiment pénétrer notre cœur, surtout dans cette génération où il y a un judaïsme un peu migvé, où quelque part on se fixe du temps d'étude à la Torah, on avance doucement, c'est sûr. Mais de l'autre côté, on accepte cette philosophie de la vie d'être datiloni. Et la paracha me dire non, 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 non. Tam, on regarderait Beis ha'shem que les deux premières lettres du mot Otam c'est Alef Taf, D'accord pour te dire que Beis ha'shem fais attention, si t'aimes Otam, Otiot Emet, fais la Torah Emet. Et faire la Torah ce c'est pas parce que tu fais des Mitzvot que tu peux te permettre de faire des Et là, tout Comme Dieu te demande de faire des Mitzvot, il te demande aussi de, de préserver des averot. C'est la première explication. La deuxième explication est pour moi la plus belle. Hormis bien entendu l'explication de Rashi et ceux de nos commentaires. Et elle vient nous dire N'achon, que je te demande de pratiquer mes préceptes. Mes préceptes comprennent les principes de Dieu, les mitzvot, tout ce qui s'ensuit. Avale, ah, écoutez bien vet mitzvot shamaru. Mais que vous gardez mes mitzvot. J'ai enseigné ça tout à l'heure entre et vite à la communauté et je voulais le partager avec vous. Au sage de nous dire, fais très attention. C'est vrai que des fois, tu peux être un très très bon religieux. Tu fais les brachot avant de boire, après de boire, hamotzi les avant de manger du pain, birkat Amazon avant de manger du pain. T'es les mitzvot. Mais comment tu les as gardés ces mitzvot Comment tu les as accomplis ces mitzvot Ici, il y a un kefel lachon. Akadosh baruchou nous dit, je vous demande pas simplement de faire les mitzvot. Je vous demande de les garder comme quelque chose de précieux. Tu vois quand on te donne quelque chose qui a une grande valeur, qu'est-ce qu'on te dit Fais attention, je te le laisse dans les mains, mais ne le perds pas. Tishmor oto, tishmor alav. Ce qui fait que des fois je reprends encore cet exemple une fois de plus que j'ai souvent donné dans mes chiourim. Tu viens pour faire une bénédiction sur une pomme, sur un verre d'eau. Qu'est-ce que tu fais Oh, c'est vrai que tu es parti sur le chemin de la Torah d'avoir fait la bracha. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une bracha. Une bracha se divise en trois. Ça demande des kavanot, de l'intention. Le Créateur du monde t'a permis de pouvoir boire. Comme je l'ai expliqué. Pourquoi on est dans un monde, contrairement aux âmes Au monde des âmes, où on a besoin de dormir, on a besoin de boire, on a besoin de manger, on a besoin d'aller aux toilettes, on a besoin de relations, on a besoin de travailler. Pourquoi tout ça dans le monde des âmes, on n'a ni soif, ni faim, ni envie de dormir. Pourquoi oui ici vous constaterez, vous constaterez, chers amis, que quand on le dit dans la Hanouka de Bayt, si je ne t'avais pas donné un toit, dit Dieu, comment aurais-je pu te demander la mitzvah du Maakeh, de faire une barrière sur le toit pour ne pas tomber Si je ne t'avais pas donné les murs d'une maison avec ses portes, je n'aurais pas pu te demander de mettre la Mezouza. En d'autres termes, la Torah vient nous dire, tu sais, j'aurais pu te faire vivre dans des grottes, là-bas, tu étais quitte, et du maïk, et de la mzouza. OK Mais non. Si je t'ai donné une vie civilisée, si je t'ai donné une maison, c'est pour que tu puisses y accomplir les misvotes. De la même façon, si je t'ai donné soif, c'est pour que tu puisses faire des bénédictions sur le verre d'eau. Ce qui fait que le principal, ce n'est pas de boire ton verre d'eau, ce n'est pas de te de rassasier de la nourriture parce que tu as faim. Mais le principal, c'est que Dieu t'a créé l'envie de manger, le besoin de manger pour vivre pour que tu aies le mérite de dire les bénédictions avant et après. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait passer le tafel avant le hikar. J'ai faim, donc je vais manger. Ça, c'est le hikar. Le secondaire, je vais faire la bracha dessus. Alors que le Créateur du monde a créé exactement le contraire. Dans le monde où il y a plus besoin de mitzvot, tu n'as plus soif, tu n'as plus faim. Dans le monde où on a besoin de tes mitzvot, Dieu va te créer ses besoins de hachere à Adam, d'aller aux toilettes, de ressortir avec la bracha, de faire un ethilatya de faire lechem. C'est ça le hikar. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu fais passer le Icar pour le côté matériel de ta personne, alors que le but, c'était d'inclure de la spiritualité. C'était le but essentiel de ce pourquoi d'Akadosh baruchu euh, par rapport au misvot. Maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre l'importance de Tishmor et ta misvot. Ne fais pas le misvot Bézil Zoul. Fais le misvot euh, à la légère. Quand tu mets les filines, mais pas, Sam, dit Philine, euh, allez, je sers contre moi et je dis n'importe quoi et je pense à autre chose. Sois en connexion avec ton Créateur, sois en connexion avec chacune de tes mitzvot. tishmor es est ta mitzvot. Pas simplement, va sur le chemin de la Torah. Une fois que tu es devenu pratiquant, vis ta Torah. Vis-la. Tu as le mérite. Je voudrais vous dire quelque chose de personnel. Dans l'ascenseur, en montant dans mon bureau, j'ai fait dans l'ascenseur les chèvres « Arlini balékaim L'agdil torah ou Avant de m'asseoir sur cette chaise et de réfléchir de quoi j'allais vous parler pour ce premier chiour, j'ai demandé à Dieu que ce chiour soit partagé, qu'il change la vie des gens, qu'il l'améliore, qu'il leur donne plus de sourires, plus d'entrain, plus de joie. Pourquoi ?« qu'il mizvot Nos mitzvot ont besoin de kavana. Elles ont besoin d'intention. Imaginez, cher les amis que votre femme vous dise au euh, fait, euh, je t'ai dit que je t'aime aujourd'hui, je me rappelle pas ce matin, cet après-midi, je t'ai dit. On a envie de lui dire, ne me le dis pas si c'est pour nous dire comme ça. On veut que ça vienne du cœur. Mais la reine, mort et ta mitzvot. Omer enchaîne à Kadosh. Kavanat a i, letzabot alimudatora, mitor amal veyagia. Comme le dit Rashi. Mazé, vous allez selon mes préceptes et mes lois, vous le garderez. Il dit Rashi, il, faut, il, va, il va falloir peiner pas simplement vivre une vie cool avec la Torah. Lève-toi la nuit. Et si t'as pas compris, fais des kilomètres pour aller voir ton raf pour lui poser la question. Montre de l'importance combien tu tiens à la Torah d'Hachem. Si, dans ce cas-là, le but, c'était de dire qu'il faut peiner pour l'étude de la Torah. On aurait dû dire, dit le rachim akadosh, bechukotai, Vous étudierez ma Torah. Alors, pourquoi dire, t'es ai Quel besoin de dire ça? Pourquoi parler de marcher, d'y aller dessus? Et le Rachim HaKadosh nous dit, car en réalité, la Torah ne s'étudie pas qu'au bête Midrash. Tu peux l'étudier dans la voiture, tu peux parler de Torah en marchant avec un ami, tu peux partout ouvrir Techabad derrière. partout où tu te trouves. La Torah nous demande pas simplement d'étudier la Torah au bête Midrash. Mais qu'à l'extérieur de ce bête mitrage, partout où tu vas, tu emmènes en vacances avec toi tes gmarotes, tu emmènes en vacances avec toi ta Torah, bien entendu en donnant le temps adéquat à chacun de tes membres de la famille pour qu'on puisse passer de bonnes vacances, pour passer de bons moments sociaux et familial. Bien sûr que oui, mais ça ne t'empêche pas de continuer partout où tu vas, de fixer ton temps d'étude à la Torah. Et c'est pour ça que quand Dieu nous parle, dit le Rakhayim, d'étudier la Torah, il parle d'aller, de marcher, t'es et, afin que la Torah soit constamment avec nous, partout où l'on va, dans n'importe quel lieu. bezman Même quand il est sur la route, combien un homme, on raconte l'histoire, j'ai oublié de ce tzadik qui a dit qu'il a fini le chasse en 5 minutes. Alors les élèves lui ont dit, le chasse en 5 minutes, c'est pas shoot impossible. Et il dit, non, vous vous trompez. Il dit quoi? Il dit, je mets exactement de chez moi cinq minutes de bus pour arriver à la Yeshiva. Et pendant cinq minutes, j'étudie de la gmara. J'ai mis plusieurs années pour finir tout le chasse, mais à chaque fois cinq minutes par cinq minutes. Cinq minutes par cinq minutes m'a fait finir tout le chasse. Pourquoi? Parce que sur le chemin, au lieu de stam, faire des stuyotes, regarder des ch'tuyotes ou parler des ch'tuyot, eh bien, j'étais assis en train d'étudier à chaque fois une demi-page de gmara, trois lignes de gmara. Ce que je pouvais prendre, je pouvais prendre deux à la côte, trois à la côte. Aujourd'hui, on a toutes des applications sur nos portables. Tu prends le bus, tu es dans le train, tu es dans l'avion. Profite de ce temps pour prendre quelque chose. T'es Nous avons une de cédoraïta que sur tous les chemins où tu vas, il faut que chaque soit avec toi. les y à d'abord. D'un chemin l'olad ou comme je vous ai dit tout à l'heure, sur tous les chemins où tu iras, n'irai d'oresh. Heureux celui qui parle. C'est-à-dire, bien est celui qui parle. Encore mieux celui qui le fait. Et donc, le Rahim, dit, à propos de ce premier verset, si vous allez selon les préceptes, il donne 42 explications différentes, le Rahim, dans son livre. Extrêmement, extrêmement doux

parce qu'il a entendu qu'on disait du mal d'un tamitracham, d'un rave, et il s'est tué, il n'a rien dit. Pour ça, il s'est puni lui-même de sortir cette année en galoute. L'oral est nouvelle à l'échem. Vav, chénadad, bedrachim, mais soukanot, baoni, ou bechoserkol, sans pouvoir se dévoiler. Il était extrêmement pauvre, avait faim, ne savait pas où dormir. Hagal, bo batora, gdosha, vayam, echadesh, ba, ki amit gaber, kemayan, amit gaber, et kénar, chénoposek. Et c'est là-bas que l'oral achim, justement, pendant la paracha de bechukotai, qu'il est parti en galoute sur les chemins. Et c'est là où il a écrit ses Perushim. Car il a dit que même sur le chemin de la pauvreté la plus totale, dans le fait de ne même pas avoir d'adresse où aller, eh bien c'est là qu'il a écrit ses perrushim sur Im Bechukotai Telechu de la paracha de Bechukotai. Car Orachim Bezrat Hashem sur le fait que chaque juif et juive, chaque éducation que nous donnerons à nos enfants devrait être aussi basée sur le fait que même si tu pars passer un bon après-midi, n'oublie pas de prendre Hachem avec toi et de faire des misotes là où tu es. Le plus extraordinaire de l'histoire, comme explique Marana Benishraï, c'est que sur le chemin où nous sommes, là où on va s'arrêter, il y a des fois des étincelles vivantes qu'on ne voit pas autour de nous. Et le fait, tout simplement, d'étudier la Torah, de raconter une halacha, deux halachotes qui vont prendre deux minutes, bessachachachol, sache que tu fais monter et tu libères énormément d'âmes que tu ne vois pas autour de toi, que tu ignores, mais que tu viens de libérer et qui, grâce à toi, trouvent un repos extraordinaire. C'est même les chamottes qui montent Sache qu'elle te bénisse de toutes les bénédictions de ce monde. Car grâce à ta Torah, tu viens de libérer des choses que tu ne comprenais pas et que tu ne voyais pas, mais n'oublie pas un détail. Le salaire, lui, tu le verras. La reine baisera ta qu'on comprenne bien qu'on est toujours gagnant d'être dans le camp d'Hachem et qu'on n'oublie jamais que même si on fait la Torah et les mitzvot on doit toujours se poser la question est-ce que je l'ai bien fait cette mitzvah ou pas. Pas simplement d'aller sur la mitzvah, mais de garder cette mitzvah. Et la dernière explication que je vous donne, Mazé téléroux, des gens qui disent, voilà, moi ma vie c'est Chaharit, Mitra, Arvit, une heure d'étude, c'est où Explique. Il y a marqué Avance. Tu n'as pas le droit de stagner. Tu dois tous les jours avancer. Ne te suffit pas à être un religieux pratiquant avec tes traditions qui n'est voulu pas plus, plus qu'il y a déjà dix ans où tu étais. Si tu étudiais il y a dix ans une heure, aujourd'hui au moins étudie. Deux heures. Et l'an prochain, une heure de plus. Téléchou, télère. Téléch, avance, avance. Yesh, des qui disent que Téléchou tombe, la paracha de Bechoukotai, tombe toujours avec le Kotel. Pour nous dire que qu'est-ce qui va reconstruire le bête amigdash quand on fera Tshuva, par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, qu'on reviendra sur notre terre et Shalom On parle de la terre d'Israël. Alors vous verrez le Kotel. Enfin, habillé et accompagné des autres murs qu'il lui pour la reconstruction du temple. La reine, les lettres du mot t'élehu, si vous remettez les lettres dans un autre sens, ça fait les lettres du mot kotel. T'élehu, otchot, kotel. La paracha de tombe toujours avec yom Yerushalayim. Mais yom Rishon, ce dimanche, ce sera yom Yerushalayim. On aura fini la mitzvah de Nechamot לחזור בתשובה שלמה, אמן ואמן.